Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nous retrouvons sur Darksider 2. Voici où en est notre histoire. La colère du roi étouffa sa raison. Ses seigneurs en firent les frais. Mais de leur mort, un nouveau pouvoir, issu du péché et d'une armée prête à naître à nouveau. Donc là on est au 21ème épisode. On avait utilisé donc auparavant dans l'épisode précédent le fameux nouveau pouvoir qui nous permet en fait de nous dédoubler via en fait deux âmes. Enfin moi je considère que c'est des âmes, après chacun a sa libre interprétation. Du coup je pense que ça va être assez cool. C'est vrai que c'est bien plus efficace d'utiliser le pistolet contre l'escalabré. Deux coups et il n'y en a plus. Un coup critique en plus. Nice. Donc soit une balle, soit deux balles. Si c'est un coup critique, c'est qu'une seule. Et c'est bien les haches, vous faites beaucoup de dégâts mais bon. C'est bien. Mais ce qui est mince. Ah, par contre, ça va être chiant. Ah, ça fait quand même pas mal de dégâts, tu vois. Ah. Un petit flot, d'accord. Mince. C'est bon, il nous a pas eu. Je vais vraiment récupérer le talisman parce que je risque de l'oublier. C'est vrai que là on n'a plus la même arme. Oula. Ah ouais, c'est bien ça. Ça nous redonne de la santé donc c'est plus cool. Ça s'en va. Moi je suis du gros. Sinon il va me défoncer. Allez. Voilà, c'est bon. Tu meurs. Oh putain. C'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Une.
Je sais pas si on peut monter grâce à ça. Ah si. Et ben voilà. Ça se passe. Donc là, il nous faudra pour là-bas une clé et quelques ennemis. D'accord, donc ici on a des coffres, on peut pas les atteindre tout de suite. C'est pas une grosse perte, on va dire, pour le moment. Une potion. Toujours bon à prendre. Je vais vérifier s'il n'y en a pas de l'autre côté d'ailleurs. D'accord. Je vois pas à quoi ça servait, mais c'est pas grave. Porte fermée, donc je ne vois qu'un chemin. Celui-ci. On sait jamais ce qu'il peut y avoir. Mais pas un autre. Un jeu avec eux. D'accord. En bas c'est juste des pics, donc pas besoin. D'accord. On verra ça après. Il y a quelque chose, d'accord. J'ai l'impression que je peux l'atteindre d'ici. Pas pourquoi, mais je sens qu'il faudra utiliser ça. Non, pas ça. Plutôt comme ça. Ah, ça fonctionne pas, les boules. Je vais me mettre là comme ça, et puis c'est tout. Hein. Allez, on pousse. On pousse. Je sais pas, ça va être beaucoup trop loin après.
Putain, j'en ai douté. On peut pas bloquer en plus de ce truc, il nous fait monter automatiquement. On y est, c'est même pas la peine. Hey, comment on va faire? Ok, bon. J'avais pas tout remarqué, du coup, ça va être plus simple que prévu. Putain, je me suis gêné tout seul, quoi. Oh, l'abruti. D'accord. Hein? Je sais pas ce qu'il lâchait de... Attends, ça peut le bloquer ça? Bon, je vais vraiment me mettre... dans un coin, moi. Sinon, j'ai tout le temps bloqué. Parce que là, je ne vois pas comment je pourrais faire. Bon, alors, ici. On en a un, d'accord. Ça a plutôt été inverse. Non. T'es sérieux, ça fonctionne pas? C'est quoi de cette merde? Je veux bien que là ça nous a ouvert un passage, mais... quand elle veut placer en dessous, il le pousse. Donc il doit avoir un autre truc, non?
On va recommencer, mais ça me paraît vraiment bizarre. Et ça le repousse, donc je sais pas, il doit y avoir quelque chose. D'accord. Pas le droit d'être au-dessus, sinon on se fait tuer. Très bien. Bon, alors. Pourquoi tu le pousses? On va essayer de voir. Ouais, vraiment un truc bizarre ici. Je peux pas me choper à travers. Bon, les amis, petite ellipse. Alors, nous revoilà. Alors, il faut qu'on enlève la séparation. Ah bah non, fallait les remettre. Mais je suis pas très bien réveillé dans cet épisode. Bon, alors, on va faire ça. En fait, j'avais un petit peu la solution, mais je me suis fait avoir tout seul, quoi. Arrête de jouer comme ça, toi. Voilà. Laissez-moi porter cette plateforme. Je suis vraiment pas réveillé, hein, pour... La séparation des âmes. On en prend une. Ah, c'est moi qui ai voulu faire un truc tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Mais bon, il n'y a rien de grave. Mais en même temps, j'avais pas vraiment eu cela, donc bon. Alors, ok. Ah, j'aurais plutôt dû faire ça. Une A. Voilà. Là, normalement, on devrait plus en avoir besoin. Pour le moment, je suppose. Bon allez, on avance. On a perdu assez de temps avec la salle là.
On se met en haut pour les tuer, comme ça on est tranquille. Ok. Des coffres. Je ne peux pas. Bon, bah si tu peux pas, tu peux pas. Tant pis. La clé ? C'est ça. Vu que moi je se comporte, c'est la clé. Clé squelette. Allez, ouvrons. Cassons-nous d'ici. Défoncé, voilà, on ouvre. Essayez de perdre le moins de temps possible maintenant. Vu que c'est fermé, oh, d'accord, c'est direct ici. De vouloir remonter, je t'ai pas demandé. D'accord. Ah, il va falloir quelque chose encore. Avec ça. Hein. Un coffre. Merde, je suis pas avoir fait. Impossible. Encore un coffre. Faudra qu'on passe par là, mais pas de question. Mince. En fait, je voulais pas redescendre. D'accord, ouais, c'est une sorte de mort subite. Eh mais... Je l'ai fait exprès. Heureusement que j'avais pas la motte de cavalier, sinon je l'aurais eu dans l'os. Je sais ce qu'il faut faire. Oh, moi je pensais qu'il fallait forcément sauter, d'accord. Bon, ben s'il faut pas forcément sauter, pas de problème.
On pourra continuer de ce côté-ci donc. On a une sacrée porte aussi ici. Donc on va aller voir. Ok. Courez après moi si vous le souhaitez. Pause. Alors, une page. Ça sert plus à rien, c'est par là. Et bien les amis, on continuera Darksider 2 dans un prochain épisode. On essaiera de finir donc le fameux, la fameuse cité des morts. Ça va, on est quand même mort beaucoup de fois. Je sais pas si je vais utiliser encore ces points. On est niveau combien? 16. Bon, on verra. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut à tous les amis.